J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Et euh, bah, au taquet pour la deuxième session avec Aline de The Bee Boost. Bonjour Aline. Salut Pauline, trop contente d'être là. Et surtout pour le sujet d'aujourd'hui, là on va parler mindset, on va parler Enfin, Trop contente. Vraiment, bah, super écoute, trop cool. Ça va faire du bien. J'ai vu qu'il y a déjà plein de monde dans le chat. Donc bonjour tout le monde. Bonjour euh, notre petite Raphaël du côté YouTube. Euh, les voyages de Marie Bambel. Enfin, bonjour à Franck, Thierry et de l'autre côté, du côté Bience, euh, Kirsty, Diatou, Bref de Jeu, Camille, Greg, bonjour Philippe, bonjour Jamila, Delphine, euh, Franck, Jean-Baptiste, il y a du Pipolin, Alexandre, Cécile. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient déjà là la dernière fois? Dites-nous. Euh, moi je chat. reconnais quelques noms. Ahmed, bonjour, j'apprécie ce que vous faites et on n'a toujours pas commencé, et ça c'est trop cool. <rire> <rire> Et ben, bonjour à tous, n'hésitez pas si vous avez des questions, on est vraiment là pour ça. Euh, Aline, elle est là pour vous répondre. Euh, et bah ben, écoute, je crois qu'on peut attaquer. Est-ce qu'on se ferait pas un petit rewind Donc là, c'est la deuxième session avec toi. On a déjà fait euh, la semaine dernière. Pourquoi on a parlé la semaine dernière que Tu nous feras une petite intro, tu nous remets un peu de contexte. Yes, carrément. Euh, en fait, la dernière fois, on avait beaucoup parlé un petit peu mindset, euh, un petit peu d'organisation, mais surtout de l'importance de se fixer. Euh, des objectifs dans son entreprise même quand on est créatif comment arriver à se mettre un cadre sans pour autant étouffer sa créativité est-ce que les deux étaient vraiment incompatibles etc voir un petit peu nous qu'est-ce qui était important pour nous dans notre vie est-ce que c'est forcément pertinent d'être en business quand on a une passion est-ce que c'est voilà on est un peu j'ai envie de dire on a posé les jalons en fait de la séance qu'on va faire aujourd'hui ouais on, on a parlé vraiment, plein de euh... trucs ouais, ah ouais. En fait, j'adore parce que je parle moi-même de séance comme si on était en mode séance de coaching après en fait, on est en live je vois <laughs> moi je suis partie en mode coach mais ouais, ouais, on va creuser un petit peu dans la continuité de ce qu'on a dit la semaine dernière. Et ce serait intéressant que les gens dans le chat, si vous avez des questions plutôt par rapport à votre état d'esprit, comment vous vous sentez en tant que créatif dans votre entreprise, en tant qu'entrepreneur avec une grande part de créativité, etc. Et ça pourrait être cool de rebondir sur ce que vous dites aussi. Oui, carrément. Et aussi, du coup, la semaine dernière... On en a profité, ça s'est fait en live, ouf, 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 comme ça, oui. on a créé euh, le, une, un nouveau, euh, comment on dit, un nouvel onglet sur le Discord, euh, Accountability, sur, euh, bah, du coup pour avoir un moyen de suivre ces lives là, qui sont plus avec ces business, et pour ceux qui voulaient, à la fin, on pouvait écrire, euh, on pouvait réfléchir à nos trois objectifs. Alors et... qui a tenu ses objectifs, qui n'a pas tenu ses objectifs, là on veut tout savoir. Oui, alors oui, alors j'en ai vu quelques-uns sur le... Sur le Discord passé, il y a pas mal de gens qui ont écrit. N'hésitez pas, euh, si vous voulez qu'on en parle ici, euh, j'ai pas envie de vous relancer en live. Euh... Pas envie, mais euh... Oui, carrément. Est-ce que vous avez fait votre devoirs <laughs> <laughs> Ah, et Karine euh, qui dit bonjour de Martinique. Trop cool. Salut Karine. Et euh, les voyages de Marie-Vambelle qui dit qu'elle était déjà là. Euh... Déjà là la semaine dernière. Voilà, Camille, oui, déjà là la semaine dernière. Carrément. Eh bah ben, écoute, go, c'est parti. Il y a un petit décalage, c'est ce qu'on dit à chaque fois entre les questions qu'on vous pose et les réponses, il y a 30 secondes, donc des fois c'est normal, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Donc si on vous répond pas tout de suite, c'est pas qu'on vous aime pas, c'est qu'on n'a pas encore vu votre réponse. Voilà, c'est ça, il faut le temps que ça monte Le temps que ça fasse le tour du globe pour trouver la fois Pauline, moi, Alexandre. C'est grave. Et <laughs> eh bah ben, écoute. Ah Greg a dit j'ai réfléchi, mais j'ai rien écrit. <laughs> c'est un premier pas. Mais carrément, bah franchement, ce n'est pas évident comme exercice. Super cool aussi. Et bien, Stop. coach, moi je dis, c'est parti. Ok, du coup, ce que je te partageais, Pauline, tout à l'heure, quand on échangeait ensemble, et ce que je vous propose à vous qui êtes là pendant ce live, c'est qu'aujourd'hui, on réfléchisse vraiment à cette notion de trouver l'équilibre entre le créatif et l'entrepreneur. Et surtout, d'essayer de smasher, d'exposer cette croyance que quelqu'un de créatif ne peut pas être entrepreneur, que quelqu'un d'entrepreneur n'est pas forcément créatif, que euh, quand on se met un cadre, une organisation, ça brille la créativité. Enfin, on va essayer vraiment d'aborder tout ça aujourd'hui pour qu'on puisse se dire qu'en fait, je vous spoil la conclusion, mais l'entrepreneur est un être créatif et le créatif peut très bien être entrepreneur et que les deux se nourrissent l'un l'autre plutôt que s'écrasent ou je sais pas quoi. Je viens dans mon oui, vocabulaire aujourd'hui bien violente, tu <laughs> sais. <c 'est... rire> écoute, vas-y, j'ai mon petit carnet. Je suis au taquet pour prendre mes petites notes. On a bien besoin en ce moment. <laughs> Mais du coup, Pauline, vu que j'étais en mode euh, partie en mode sens de coaching, limite, je vais pouvoir te parler à toi, puis j'ai parlé à tout le monde dans le ah, chat. Écoute, vas-y, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, en plus, je me fais un peu l'avocat du diable à te poser des questions improbables. Voilà. Vas-y, tu vas faire la mauvaise <laughs> foi, j'aime bien. On va bien rigoler. <laughs> Du coup, alors, ce serait intéressant que vous me disiez euh, dans le chat, et puis même toi, Pauline, qu'est-ce que c'est pour toi être créatif Comment tu le définis hmm, C'est une bonne question. Je, bah, ça, je pense qu'on pourrait y passer quatre heures dessus. Je pense que pour moi, être créatif, ça veut dire que j'en ai besoin. Tu sais, genre je peux, je peux pas faire autre chose de ma vie. Si tu me mets derrière un bureau dans une banque et j'ai testé, je vais crever. Ouais, je pense qu'il y a un truc de nécessité euh, vitale. Voilà. Tu vois ce que je veux dire dans le fait d'avoir ce, ce genre de taf. Je ne sais pas ce que c'est pour vous. Moi, ouais, Je pense que c'est un peu énervé, mais. Euh, c'est voilà, parce... une part de toi que tu ne peux pas renier et dont tu as ouais. besoin de toi-même. Toi ah, et en plus, que, euh, voilà, tu ne peux pas l'écraser et tout, sinon tu n'es juste bah, pas toi-même, malheureux, euh, pas épanoui. Tu vois, donc il faut lui laisser une place, sinon ça part en vrille. D'accord. Et qu'est-ce que la créativité pour toi euh, La créativité. Bah, la créativité, la définition la plus cool, c'est faire des liens entre des trucs improbables. Tu sais, c'est des liens. C'est prendre une idée là, une idée là. Euh... Personne n'a jamais pensé à les mettre ensemble. Toi, tu les mets ensemble, quoi. Mmh, pas mal. Est-ce qu'on a des réponses dans le chat sur qu'est-ce que c'est être créatif Qu'est-ce que c'est la créativité euh... Ah bah carrément. Écoute, je pense que ça va. Ah, Philippe dit. Euh... Ah, je ne sais pas, alors attends. Je ne pense pas que c'était ça. Euh... Eric a dit j'ai fixé mon objectif, mais je n'arrive pas à trouver le temps pour dégager le process. Euh... Et il dit aussi je réfléchis à me lever à 4h du matin pour pouvoir travailler. <laughs> je sais pas. Si... <laughs> Pourquoi pas, après je ne juge pas, mais ça me paraît un peu extrême quand même. Là, on est sur le, le miracle morning. Ou sinon, être vachement efficace et optimiser sa vie. Moi j'adore ça aussi, c'est un truc qui me fascine. Euh, Delphine dit, je pense que, que quelque part c'est instinctif, c'est en toi. Philippe dit, c'est ton subconscient. Euh, Fifi mort dit oui, la nécessité, moi ce n'est pas mon métier, pourtant je ne peux pas me passer de satisfaire mon besoin de créer, de composer ou juste de gribouiller. Euh, Lise dit chercher des solutions à des questions improbables. Carrément. <laughs> oui, je pense qu'il y a un truc, créativité, il, il y a cette notion de nouveauté, d'expérimenter, tu vois, d'être toujours en ébullition en fait. Mmh. Qui est, ce, qui est, ce qui paraît complètement à l'opposé de quand on voit euh, voilà pays dans l'administratif ou machin. J'ai l'impression que ça, c'est le truc, euh, c'est le, le cercle de l'enfer pour moi, tu vois. <laughs> Et c'est là où je trouve que c'est très raccord avec la vie d'entrepreneur, parce que c'est l'opposé de cette vie-là aussi. Tu es toujours en train de chercher, de grandir, de bidouiller des trucs dans ton business, tu vois. Exactement. Je trouve que on a eu que des que des éléments de réponse en fait hyper pertinents. Il y a pas, j'ai pas entendu de réponse, je me, je me suis dit non, pas du tout, on n'y est pas quoi. Ouais, carrément. Alors attends, j'en ai deux qui sont arrivés. Il y a Grete qui dit être créatif, c'est utiliser le monde et ses outils dans la création d'une œuvre. Et bref de jeu dit trouver des solutions à des problématiques données. Pas forcément d'autres graphique ou de design. La créativité n'est pas limitée au domaine de la création. Cela passe aussi par des Exactement. idées. Exactement. Ouais, carrément. Ça, je, je trouve ça trop cool vraiment en fait chercher à améliorer des choses à... il y a un truc de transcender un peu euh, ce qu'on t'a donné tu vois que ça soit n'importe quoi j'ai voilà. préparé une, une petite définition du coup à partager avec les gens puis vous allez nous dire si vous êtes d'accord avec ça ou pas ouais. pour moi j'avais noté que la créativité c'est la capacité à sortir des sentiers battus des manières traditionnelles de penser ou de faire et de développer des nouvelles idées, méthodes, concepts. Donc ça rejoint tout à fait ce que tu disais sur le fait de prendre des idées à droite, à gauche, de les associer dans quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Mais du coup, quand tu réfléchis comme ça, pour moi, la créativité, c'est un état d'esprit, c'est une compétence que tu travailles, que tu développes, que tu structures, mais c'est pas un don, c'est pas un gène, c'est pas une malédiction non plus. Ah, carrément. Est-ce que ça t'évoque ça Oui, oui, ouais, carrément. On après, je pense qu'il faut aussi être capable de pouvoir sortir de sa zone de confort. Et c'est peut-être souvent ça, euh... peut-être les gens qui manquent de créativité, c'est plutôt qu'ils ont un besoin de contrôle et un manque de lâcher-prise plus qu'un manque de créativité. Exact. Du coup, voilà, c'est vraiment la capacité un peu à remettre en cause d'ailleurs ce qui est déjà établi, les manières de penser, et à chercher des nouvelles manières de faire. Mais du coup, quand tu remets en cause ce qui existe et que tu cherches des nouvelles manières de faire, forcément, tu, tu sors de ta zone de confort. Oui, carrément. Oui, il ouais. Ouais, y a plein de trucs à dire. Hein. Trop oh cool et du coup Merci. la question suivante c'est qu'est ce que c'est être entrepreneur bah moi j'ai l'impression que c'est la même chose <laughs> tu vois c'est résoudre des et tu devais pas jouer l'avocat du diable là ou tu pas <laughs> bah moi j'ai l'impression que c'est la même chose mais après alors moi quand tu me dis entrepreneur si tu veux que je rentre dans mon rôle de, de la mauvaise foi euh, moi, je vois plutôt euh, les gros marketeurs euh, qui essayent de faire de l'argent. Euh, voilà. Et un peu, euh, tu vois, et, et là, c'est là où ça devient compliqué euh, à mettre ensemble avec les créatifs. Mmh, mmh. Et si tu enlèves ta casquette de mauvaise foi, du coup, c'est quoi Mais pareil, dans le chat, dites-nous pour vous qu'est-ce que c'est être entrepreneur par rapport à ce qu'on a dit sur la créativité et tout. Euh, bah, du coup, être entrepreneur, c'est plutôt quelqu'un. Qui... Je crois que c'est écrit dans le mot, tu vois, qu'il va entreprendre et au lieu de travailler pour quelqu'un, tu vas chercher à créer des nouvelles choses et à développer nouveau, quoi. J'ai vraiment cette vision d'entrepreneur de quelqu'un qui est animé par ses valeurs, en fait, que ce soit des valeurs pour soi, genre je veux être libre, je veux subvenir aux besoins de ma famille, je veux plus travailler derrière un bureau, je veux voyager, etc., même des valeurs pour les autres, j'ai envie de faire passer tel message, telle valeur, etc. Et qui du coup va chercher de nouvelles manières de faire en dehors des conventions, qui va, les... qui va sortir des sentiers battus pour construire sa propre solution. Alors, moi ouais, j'ai une question, tu vois, là quand tu dis ça, est-ce que tu penses que c'est un truc qui est inné Tu vois, on est euh, de nature euh, entrepreneur à tester des trucs, machin, à sortir des sentiers battus euh... Ou est-ce que c'est un truc qui se construit et n'importe qui peut le devenir Alors, ça se construit. Je pense que personne ne naît avec un gène qui s'appelle le gène de l'entrepreneuriat ou pas, ou de même le gène de la créativité. Mais après, ton éducation, ton environnement et ton expérience, c'est toujours les trois facteurs qui reviennent, vont énormément, énormément jouer dessus. Typiquement, l'exemple caricatural, c'est si tu n'es dans une famille d'entrepreneurs où tout le monde en, autour de toi entreprend, ou si vraiment. tu n'es dans une famille de fonctionnaires où on te dit, traîne-toi au bureau, fais le maximum possible et sois bien procédurier, ne te laisse pas bouffer par le système, on ne développe pas forcément les mêmes a priori, les mêmes capacités, le même état d'esprit par rapport à ça. Mais je ne pense ouais. pas que euh, sur deux bébés, il y en ait un qui ait plus de doses d'entrepreneuriat que l'autre quand ils sont encore à la maternité. Quoi, tu vois. Ouais, ouais, carrément. Ouais, bah ouais. Alors attends, je regarde ce qu'on est, je regarde ce qu'on a. Euh... Les filles, <laughs> euh, Yves demande, les filles, que pensez-vous du boomer créatif à la retraite qui délire dans Photoshop Moi, je suis entrepreneur sans souci, je suis passionnée, donc je crée ce que j'aime. Bah, carrément, il n'y a pas, pas d'âge pour être ni créateur ni entrepreneur et tout, tu vois. Il y a Parce que... de plus en plus, moi j'ai de plus en plus de clientes qui ont au-dessus de 50 ans. Euh... Oui, c'est ça, les boomers à peu près, je crois. Ou même c'est encore, je ne sais, sais plus, je ne suis pas très... Pardon. Ah oui, c'est les baby boom, là, c'est les, les bébés... Euh... Ouais. Oui. Et euh, du, oui, du coup, il y a de plus en plus de personnes, et je trouve ça génial, parce qu'aujourd'hui, justement, on arrive dans une société où on nous, on nous autorise à, à vivre de notre passion et à faire un métier autour de notre passion, autour de ce qui nous fait vibrer, alors qu'avant, ce n'était pas... C'est pas comme ça, avant on faisait généralement le même travail que papa-maman, hein. euh, il y a encore quelques générations. Ouais, tu reprends l'entreprise des parents. Oui, ou alors si maman fait de l'usine, et ben maman te fait rentrer à l'usine, et tu fais de l'usine aussi, et, et on choisissait une carrière pour toute la vie. Et c'est que depuis quelques années qu'on rentre dans cette euh, mentalité de se dire, on peut avoir plusieurs métiers dans notre vie, plusieurs carrières, faire des reconversions, passer de l'entrepreneuriat au salariat, du salariat à l'entrepreneuriat, enfin... Moi, ouais, carrément, c'est plus fluide. Alors, je regarde, il y a Lise qui dit « Entrepreneur, savoir gérer et agir. » Chose mmh. intéressante. Philippe dit « Entrepreneur, c'est monter son entreprise. » Là, on est sur la vraie définition. Euh, c'est pragmatique, la... j'aime bien. <laughs> oui, carrément, mais c'est hyper marrant de voir ça. Fifi la mort dit « La partie administrative de la création. <laughs> » Greg dit « Un entrepreneur est plus maître de sa vie. Il se crée son parcours. Mmh. » Et bonjour Anaïs qui vient de nous rejoindre. Euh, alors, j'ai une réflexion de Eric que je trouve hyper intéressante et que du coup, euh, pour le coup, euh, tu, vas, tu vas pouvoir nous dire. Il dit Pour moi, créatif ne prend pas en compte la notion de temps-argent. On, on suit un souffle de pensée. Le côté entrepreneur, lui, pense à la rentabilité et aux bénéfices. Alors, je trouve qu'il faut faire attention à ne pas confondre la créativité ou le créatif et l'artiste. Pour moi, il y a, a peut-être deux nuances là-dedans. Je suis d'accord en fait. que la créativité, c'est est, <laughs> quelque chose qui n'est pas, pas déclenché par des envies de perfection, de perfectionnisme, d'excellence, de performance ou de rentabilité. Tu ne dis pas je suis créatif pour être rentable. Tu peux te servir de ta créativité au profit de la rentabilité de ton entreprise. Ça peut être un outil, une ouais. compétence. Mais du coup, c'est deux choses imbriquées. Ce c'est pas mmh. deux trucs séparés. Moi, je pense que les voir comme un truc séparé, c'est des croyances limitantes. Mais après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que va dire ça, à Dave Coons. Mais, mais franchement, tous les grands tu vois, entrepreneurs. C'est un, euh... un, un entrepreneur et c'est un artiste, mais c'est surtout un entrepreneur, quoi. Exact. Et puis allez dire que, que euh, je suis désolée, je suis désolée pour ceux qui sont anti Apple, mais euh, <laughs> euh, Steve Jobs, c'est quand même une des personnes les plus créatives sur cette planète de par cette manière complètement différente, disruptive qu'il a eu de, de penser. Et il a monté un espèce d'écosystème de nouvelles manières de réfléchir. Et ça, ce n'est pas quelqu'un qui aurait uniquement eu un cerveau très corporel, administratif et carré et genre conformiste qui aurait pu inventer quelque chose comme ça. Oui, carrément. Ouais, ouais c'est clair. C'est hyper intéressant. Il y a les studios shoot pro dit un entrepreneur peu créatif n'aboutira à rien. Et un créatif qui ne sache pas entreprendre ne pourra pas vivre de sa créativité. Ce sont deux notions qui doivent aller de pair. Puis, je suis assez d'accord. Intéressant. Euh, Philippe dit aujourd'hui il faut être polyvalent donc ça ça, 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 ça recoupe de ça aussi. Euh, Franck dit on va tomber sur le mythe de l'artiste bohème. Oui celui qui vend celui qui vit en maillot de bain à Bali. Oui c'est ça c'est le danger <laughs> de vouloir mettre tous les créatifs dans cette case. Carrément, au Fifi la mort, euh, voilà, dit qui vit d'amour et d'eau fraîche. Et Marie-Claire dit Un entrepreneur créatif est celui qui garde son indépendance dans le choix de ses créations. Mmh, mmh. C'est pas Oui, C'est cool, ouais. mmh. ouais, intéressant. Il y avait une phrase que je m'étais notée que je trouvais intéressante c'est que tout créatif n'a pas vocation à être entrepreneur, mais tout entrepreneur doit être créatif. Ah, ah c'est cool. Oui, carrément. Voilà, première piste de réflexion. Effectivement, je suis d'accord avec ce que les gens disent dans le chat que. C'est vraiment pour moi l'un va avec l'autre et la créativité, on a vu que la créativité, c'est pas juste, euh, je caricature, mais savoir peindre, la créativité, c'est l'art de trouver des solutions disruptives qui sortent des sentiers battus et d'inventer nos propres manières de faire. Forcément ça, c'est, on va dire, euh, le, le pouvoir numéro un, la force numéro un qu'un entrepreneur doit avoir pour faire fonctionner sa boîte, de différencier ses concurrents, sortir des nouveaux produits, ce genre de choses. Oui, carrément. C'est un peu... Euh... Est-ce que tu vois, tu n'as pas l'impression que euh, parfois, on s... comment ça se passe, toi, en coaching, par exemple Moi, j'ai souvent cette sensation qu'il y a plein de gens qui partagent des recettes toutes faites sur l'entrepreneuriat et qui vont dire euh, il faut que vous fassiez ça, c'est ça le business model. On a plein d'exemples en tête, tu vois. <laughs> on ne citera pas de nom, mais du coup, je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait une mauvaise pub, tu vois. J'en sais rien. Qu Qu'est-ce tu... Qu que tu penses de ça je peux te répondre par une citation. Oui, carrément. C'est un truc que je m'étais noté aussi pour en parler avec toi, mais du coup, c'est la transition parfaite. Allez, tu vois. <laughs> Ouvrez les guillemets, l'ennemi de la créativité, c'est le conformisme, pas le cadre. Ah, c'est cool. Et je trouve que justement, le fait d'avoir un cadre quand on est entrepreneur ou même quand on est créatif, ça nous aide à être encore plus créatifs exemple, je te cite un exemple que j'ai vu sur internet quand je faisais un peu des recherches pour, pour, pour ce live et tout il y a une nana qui expliquait qu'elle était euh, architecte d'intérieur et que elle elle avait eu une révélation par rapport à sa propre créativité le jour où euh, elle, elle comparait deux exercices qu'ils avaient eu à faire un premier exercice où on leur avait juste donné un terrain plat et illimité pour faire leur création et elle dit bah, comme tu as tellement de possibilités de liberté que tu peux tout faire, bah, tu as tendance à te raccrocher au modèle perçu à des choses qui ont déjà été faites, à ce que tu connais, à ce qui te rassure et que ta créativité n'est pas sûre d'avoir exploité à 100 Elle dit et un peu plus tard, on nous a demandé de faire une salle de spectacle dans un endroit complètement biscornu où il fallait vraiment penser outside the box, là en dehors des sentiers battus et là j'ai fait un truc mais que je n'aurais jamais été capable de faire si on m'avait donné juste un terrain vide. Donc là on peut se questionner sur l'importance d'avoir un cadre et justement parce qu'on a ce cadre, notre créativité va être sollicitée à 200 pour en sortir. Mais là, quand on te laisse complètement en champ libre, et là tu peux être un petit peu paralysé devant le champ des possibles, tu vois. Alors, du coup, ma question c'est quand tu es, tu vois, je rebondis tout de suite, quand tu es entrepreneur, que es, je parle souvent des gens à leur compte et que tu es créatif et que tu as envie de mener à bien des projets, des trucs pour toi, des trucs perso, comment tu te définis un cadre Parce que clairement, il y en a pas, il y en a toujours parce qu'il y a des contraintes d'argent, de machin, de budget, tu vois, il y a toujours des contraintes. Mais voilà, il n'y a peut-être pas de deadline, pas de machin. Et ça, moi, par exemple, je le ressens très fort en ce moment. Bah, je pense que, comme tu l'as dit, hein, les contraintes administratives, les contraintes financières qu'on a, bah, parce qu'on doit payer nos factures, tout simplement, ça constitue déjà un cadre pas mal, tu vois. Enfin, je vais reciter l'exemple et je te reprends l'exemple de la semaine dernière, mais quand tu t'es retrouvé à Bali, que tu n'avais plus d'argent et qu'il fallait trouver des manières créatives de gagner de l'argent vite pour payer la suite de ton voyage et te permettre de ne pas avoir à rentrer en France, tu as trouvé des solutions. Alors, du coup, j'ai une autre question. Est-ce que tu penses que le confort, c'est un peu l'ennemi de la créativité Parce que tu vois, là, j'étais en mode survie. Donc, j'étais obligée. Tu vois Et en fait, je trouve que quand t'es bien, bah, t'es pas trop obligée de te débattre. Tu vois, t'as es un espèce de confort qui fait que t'as moins la hargne. Ça, je sais que quelque part, c'est une sorte de pensée limitante, mais c'est pas si faux, tu vois. Ça, dé... ça va dépendre des personnes, des personnalités, des profils, tu vois. Euh... J'ai pas envie de faire de généralité en me disant que tout le monde est comme ça. Ouais, est Moi, je bien. sais que je peux avoir tendance à l'être aussi. Après, c'est vrai que quand t'as des grosses deadlines ou des euh, genre un, un mur qui t'arrive en pleine figure, là forcément tu deviens très créatif. Il ouais, y a plus de procrastination. Bon. En fait, Dans un mois, j'ai plus d'argent, il faut que je mange. Ok, on va trouver des trucs. Après, effectivement, je comprends tout à fait, puis c'est normal parce qu'on est des L'être humain, là on parle dans notre débat philosophique, mais l'être humain cherche le bonheur, euh, repousse la souffrance, et des fois, sortir de sa zone de confort, faire des efforts de créativité euh, qui peut-être nous emmènent un peu loin dans des trucs inconfortables et tout, bah, c'est synonyme de douleur, donc on peut avoir tendance à procrastiner là-dessus. Oui. Donc, voilà, et effectivement, quand il y a le mur qui arrive, bah, la douleur qui arrive est tellement plus grosse que là, il n'y a plus de problème pour être créatif et tout. Pourquoi pas Mais après, je dirais pas que c'est tout le monde qui est comme ça. Ouais, ouais, carrément. Alors attends, je regarde le... Je regarde le chat. Euh, bah, les voyages de Marie Bambelle dit non, le confort n'est pas l'ennemi de la créativité. En tout cas, pas pour moi. Perso, si je suis en mode survie, je ne vais pas créer. Ça me panique. Oui, je pense qu'il y a des gens qui vont plus être euh, effectivement euh, paralysés par la peur et par le stress et qui vont beaucoup mieux se développer dans un environnement d'être bienveillant, confortable, et des gens au contraire qui ont besoin de se sentir mis en danger pour pouvoir se bouger le cul, quoi, si je peux l'exprimer ouais, comme ça. Euh, alors il y a Philippe qui dit un entrepreneur prend des risques aussi. Euh, Yves dit, et si un créatif rencontre un entrepreneur, ils vont peut-être faire fonctionner une boîte. C'est vrai que je connais plein de, de boîtes, des binômes, des startups, et généralement, il y a un bel équilibre avec quelqu'un qui est ouais. plutôt créatif, vraiment dans l'empathie et tout, et un gros businessman qui va tout défoncer, et il se trouve un bel équilibre. Quand vous avez une relation comme ça, c'est tellement cool effectivement je suis d'accord toi il y a souvent beaucoup beaucoup de binômes et qui fonctionnent très bien j'en connais beaucoup aussi autour de moi ouais ouais et du coup le créatif voilà il va ramener l'empathie il va ramener plus de, de sensibilité et l'autre il va dire non mais c'est bon là maintenant il faut qu'on gagne de l'argent bichette et on peut être les deux hein, on peut avoir la chance d'être les deux au sein de soi-même donc on devient un peu schizophrène ouais. tu vois mais ça marche mais car... très bien <laughs> mais carrément euh, voilà bref de jeu qui dit la créativité peut naître de la contrainte assez souvent même mm -mm. Euh... Alors, attends. Je regarde un petit peu. Voilà. Franck dit à relire un steak de Jack London. Je ne sais pas ce que c'est, mais écoute, on regarde. Ouais, j'ai jamais entendu parler non plus, mais du coup, ça m'intéresse. Ouais. Eh <laughs> bah, bien, écoute, euh... du coup, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Ok, donc je pense que la première chose à se dire, en tout cas, moi, c'est ma perception que pour moi, avoir un cadre stimule la créativité en fait. Clairement parce que du coup on est obligé de penser autrement, de trouver des solutions et c'est là on peut avoir nos meilleures idées VS quand euh, on est libre de tout faire et là il y a des choses comme la paralysie, euh, la procrastination, la peur, euh, la paresse qui peuvent venir vraiment se mettre en travers du chemin. Donc ouais, première chose à se dire c'est c'est possible en fait d'être entrepreneur et créatif et c'est pas parce qu'on évolue dans un cadre business, où il y a des questions d'argent, d'organisation, de rentabilité forcément la créativité va être étouffée ou reléguée au second plan, bien au contraire. Est-ce eh ben que, avoir... est que tout le monde est d'accord avec moi jusqu'ici eh ben, Moi, je suis d'accord. Euh, maintenant, ma question existentielle, comment la formuler C'est un peu vague. J'aimerais te parler euh, du syndrome de l'imposteur, du fait qu'on ne va pas aller se mettre dehors, parce qu'en fait, il y a beaucoup de créatifs. Ils vont aussi avoir du mal à aller se mettre euh, bah, aller euh, se mettre en tant que euh, business personne tu vois ou même aller euh, se mettre en danger ou essayer d'aller vendre leur création ou, tu vois genre c'est un truc immense mm -hmm. j'ai envie de partager avec vous un truc assez que bah, euh, moi avec Franck et l'équipe d'adobe euh, on aime bien euh, chercher des gens les inviter parler des lives hein. et... Trop cool. J'adore ce truc-là. Et en fait, vous n'imaginez pas le nombre de fois où on contacte les gens. Et en fait, ce pas un entretien. Nous, on a dit, tiens, vas-y, viens parler de ton taf. Et, tu vois, tu es déjà validé. Et en fait, ils disent, ah non, non, mais moi, je viens pas, j'ai peur, en fait. Dans le meilleur des cas, parce que parfois, ils répondent pas. Enfin, c'est hyper déstabilisant. C'est hyper... Il euh, y a un vrai syndrome de l'imposteur, là. Ils disent, non, mais moi, je pas les j'ai pas les compétences j'ai pas le j'ai pas le niveau pour venir vous parler ça me rend triste d'entendre bah, ça moi... non mais à chaque fois moi ça me ça m je suis là mais c'est si, mais viens mais allez en fait on te demande pas ton tu vois genre on te dit que as le niveau en fait tu vois il y a aucun souci c'est nous qui faisons la démarche de venir te chercher et il y, un... y a un tu vois est... le bloc il vient vraiment de de la personne et je suis cette personne-là sur d'autres trucs, tu vois, c'est clair. Donc ça, c'est un vrai... Voilà, comment on combat ça C'est une longue question. C'est un sujet hyper important que tu touches du doigt. Je pense qu'effectivement, euh, bon, le syndrome de l'imposteur, tout le monde le connaît, euh, tous les êtres humains. Ce fameux sentiment de ne pas être assez, de ne pas être assez légitime, de ne pas mériter d'être là où on est. Enfin, tout le monde le ressent, j'ai même envie de dire quasiment quotidiennement à des degrés plus ou moins forts, mais c'est normal. Et puis plus tu sors de ta zone de confort, plus c'est le cas. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une dimension toute particulière chez les créatifs parce que ton, ton art, ta créativité, ce que tu produis, c'est tellement une partie de toi-même. Parce que si tu t'arrachais une partie de ton cœur et que tu le mettais sur la place publique. Et ouais, du coup, carrément. quand les gens portent un jugement, un regard ou même osent regarder ce que tu fais, bah, tu as l'impression qu'ils te regardent toi, pas ton œuvre, mais toi, tu vois, ta mmh. personne, ton âme, et qui sont en train de jauger ton mérite à exister en tant qu'être humain sur cette planète, limite. Oui, carrément. J'extrapole, mais toi, oui, c'est oui, vraiment oui. Comme, comme ça que tu le vis. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile. VS, quelqu'un qui, j'ai n'importe quoi, mais euh, <laughs> quelqu'un qui vend euh, des produits, des cosmétiques, des choses comme ça. Si quelqu'un dit ton cosmétique, c'est de la merde, il va peut-être se sentir un peu vexé parce qu'on peut remettre en question du coup son choix et tout. Mais il ne va pas avoir l'impression que c'est la totalité de sa personne et oh de bon son Dieu, mérite d'exister qu'on qu qu juge. Quoi. Ouais, 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 carrément. Oui, c'est ça. C'est ton, ton bébé, quoi. Donc, OK. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait Regarde un petit peu. Alors, du coup, je pense que c'est tout un sujet. J'essaie de décortiquer ça de manière euh, la plus simple possible, on va dire. Déjà, quand on se creuse, quand on se confronte à ce genre de blocage, parce que là, c'est clairement un blocage d'état d'esprit. Hein, ça, ça nous appartient à nous, cette perception. C'est pas l'autre qui le dit. Hein. Enfin, sauf s'il le dit euh, noir sur blanc, mais dans ce cas-là, c'est un con. Mais déjà, la première étape, c'est d'identifier les origines. Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça que j'ai peur d'y aller, que j'ai l'impression de ne pas mériter ce que je fais, que j'ai l'impression que si ce client m'a embauché, c'est parce qu'il euh, y a eu un malentendu, tu vois. Genre, je me suis trop bien vendue par rapport à ma vraie valeur et tout. Ça, ça m'arrivait beaucoup, moi, avant. Ah, c'est vrai. Faut... Ah, oui, oui, mais fou. tout le temps, quand tu as des gros clients qui te rencontrent, qui te contactent et qui te demandent un devis, tu dis Non, non, mais vous vous trompez de personne, là. Je me suis trop bien vendue, oh là là ça me le fait même encore aujourd'hui, hein, tu sais. Oui, carrément. Bah, après, on peut rebondir sur la question de l'argent, de combien tu es payé aussi, parce que ça, ça, va, ça va se refléter sur toutes, toutes tes... les étapes de ton côté entrepreneur. Quoi. Donc, du coup, ouais, identifier les origines. Est-ce que si on creuse, si on prend le temps d'être honnête avec soi-même, est-ce que ça vient de l'éducation qu'on a reçue Ou on a reçu une éducation, on dit, il ne faut pas être en avant, ou alors tu ne peux pas vivre de, ta, de ton art. Si nos parents, avec beaucoup de bienveillance, parce qu'ils se soucient de notre sécurité de notre avenir, mais nous ont répété toute notre enfance, tu ne peux pas être artiste, les artistes ne gagnent rien parce qu'eux-mêmes, c'est ce qu'ils ont appris, et ben nous, dans notre tête, on a intégré ça. Et même quand on essaye de le faire, on a quand même une petite voix qui nous dit bah, tu ne peux pas être artiste les artistes ne gagnent rien, parce que 30 ans de notre vie, on a entendu ça et on a nourri. Ouais, ça. Carrément. Oui, oui, c'est vrai. Donc ça peut être une origine possible, le manque de confiance en soi. Ça peut être aussi euh, une cause du syndrome de l'imposteur, et c'est souvent une grande, grande, grande cause, tu vois. Parce qu'on pense que notre art reflète directement qui on est. Donc, si on a une opinion basse de nous-mêmes, for forcément, notre art, nos créations, ce qu'on fait, bah, ils sont alignés avec euh, notre confiance en nous, avec l'image qu'on a de nous-mêmes. Ouais. Tu vois, dans notre tête. Alors, ça ne devrait pas être comme ça, mais dans notre tête. Ouais, ça peut venir du fait qu'on se compare avec les autres. Ça vient de plein de choses. Hein. Ouh là, 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 là. <laughs> J'essaie de les énumérer non, parce que je pense qu'en qu mettant des mots, ouais. on arrive un peu à dédramatiser, à prendre du recul sur la situation. Donc, est-ce que vous vous sentez en syndrome de l'imposteur en situation de légitimité quand vous vous comparez avec les autres Est-ce que quand vous vous comparez avec personne ça va Et ensuite il y a l'écoute de la vie des autres et surtout des avis non sollicités de gens qui n'ont pas la même vie que nous et qui se prennent pour je sais pas quoi à nous dire ce qu'on a le droit et pas le droit de faire du style de tonton Jacques qui nous dit euh, mais comment tu fais pour en vivre, c'est pas possible ou alors tata Janine qui dit non mais euh, moi j'ai essayé de lancer une entreprise de tricot pendant trois jours quand j'avais 25 ans mais ça n'a pas marché donc ça ne marchera pas pour toi non plus enfin, oh là là. voilà ouais, moi j'ai un souvenir euh, d'un ami euh, quand je rentrais d'Australie je, je voulais lancer mon studio photo j'avais fait tout mon business plan, le truc existait dans ma tête il n'y avait plus qu'à l'accoucher donc j'étais hyper excitée, je parlais de mon truc il m'a regardé droit dans les yeux il m'a dit tu un jamais là pour tes photos Popo mais là, ça m'a mis dans une rage. voilà. Mais par contre, euh, tu as aussi envie euh, parfois de te rouler en boule et de te dire oh, Mais c'est vrai, il a raison. Et mais après, c'est dur en fait. Généralement, quand quelqu'un te dit quelque chose et que tu le prends très personnellement et que ça t'atteint, c'est parce qu'en qu en fait, euh... cette personne a dit tout ce que toi tu penses de toi-même. Ça, c'est un principe de base du coaching. c'est souvent les réactions qu'on prête aux autres et les réactions des autres nous touchent beaucoup parce que c'est quelque part le reflet de ce qu'on pense de nous-mêmes. Ouais, c'est dur à entendre, mais c'est vrai. Ah non, mais ça, c'est hyper intéressant. Ça, c'est hyper, hyper cool. Euh... Je vais regarder un petit peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Je vais vous montrer le haut de mon crâne, là. <laughs> je vais regarder les messages. Sinon, je vais lever un peu mon truc. haut euh... de ton crâne est très beau, t'inquiète. <laughs> Alors, du coup, Franck nous a répondu sur un steak de Jack London c'est sur la fin comme moteur. Ça parle plus de boxe que de création, mais je le note, ça peut être hyper intéressant. Euh, Fifi Mort dit Perso, je bosse pour une multinationale où la procédure doit être suivie à la lettre. Et pourtant, mes débordements créatifs sont souvent appréciés par mes patrons. Dans le respect de la charte, bien sûr. Ah, c'est trop cool euh, mmh. Bonjour à Emma qui nous a, qui nous a rejoint. Euh, Yves demande Que pensez-vous des contraintes des entrepreneurs en fonction des pays Par exemple, entre la France, où l'État est très présent, et la Suisse, où tu dois tout payer directement en fin de mois en plus, c'est intéressant parce que j'ai entendu vous dire que tu connais bien ces deux pays. Alors, je connais ces deux pays parce que je suis double nationalité, mais j'ai pas de monté d'entreprise en Suisse ouais. encore, en tout cas. Mais euh, je pense qu'effectivement, en fonction des contraintes, on peut justement être amené à trouver des solutions créatives. Un exemple qui me vient en tête, c'est que par exemple, si en Suisse, tu sais que tu dois payer tes impôts euh, à la fin de chaque mois direct et que pas une fois par an, euh, sur, comme la peau sur les sociétés en France, et ben tout simplement, tu vas trouver des business models de, euh, de rentabilité où tu t'assures d'avoir suffisamment de cash flow pour euh, payer tes impôts à la fin du mois. Et donc, ça veut dire peut-être pas fonctionner avec un système de dette, euh, mettre en place des paiements plusieurs fois avec des mensualités précises pour pouvoir toi alimenter à ce que tu dois. Enfin, tu vois Mais du coup, ça t'a amené à penser autrement. Oui, carrément, il faut, faut s'adapter en fait. C'est ça. Et, et je pense que. Bah Peut-être que la grande leçon de cette année aussi, c'est qu'il faut s'adapter à une manière de vivre, à tout ce qui s'est passé, à toutes les contraintes extérieures, quoi. Et attends, c'est très intéressant que tu soulèves ça dans le, en mode en, à quel point la contrainte peut faire surgir la créativité. J'ai jamais vu autant de trucs créatifs qu'en 2020. Tout ce qui s'est passé, tout ce que les gens ont mis en place, ça peut être des trucs aussi simples que bah, on se met tous à la fenêtre pour applaudir le soir les soignants, le truc qui ne serait jamais arrivé sans avoir cette contrainte de rester chez nous. Euh, on a vu des gens faire preuve de grande créativité pour se retrouver quand ils étaient séparés, pour communiquer entre eux. Enfin, on, on voyait, Moi, je voyais des genre de TikTok où tu as les livreurs des livre-roues, tu les gens qui leur faisaient descendre des paniers avec des cordes, puis ils mettaient la commande dedans, puis les gens <laughs> parfait. Enfin, c'est bon, hein. rigolo, c'est anecdotique, mais pour dire la créativité ouais, dont l'être humain peut faire preuve dès qu'on lui met des cadres et des contraintes. Et ça, je trouve ça très beau. Ouais, carrément. Non, tu as raison. Et c'est cool d'en de, parler tard parce que je trouve qu'en ce moment, il y a un truc qui s'exprime énormément et je pense qu'il qu va euh, amplifier euh, les problèmes, c'est le biais de négativité. Mmh. Alors euh, là, si vous avez entendu parler du biais de négativité, mais en gros, c'est le cerveau humain, il est plus marqué par les choses négatives que positives. Donc si vous recevez 100 messages sur Instagram qui sont tous gentils, qui vous disent Oh, c'est merveilleux ce que tu fais, c'est trop bien, j'adore ton art, c'est trop cool, ça m'inspire. Il y a un mec qui va vous dire Mais de toute façon, tu n'es pas une vraie artiste. Euh, tes photos, c'est mal fait, euh, machin, c'est pas de l'art, c'est de la merde. En fait, c'est le message qui va te faire te se sentir mal toute la journée. Et c'est vrai qu'en ce moment, euh, on est très happé dans le bien de négativité. Donc, peut aussi une piste pour euh, ramener un petit peu d'équilibre et de positivité. Je sais pas ce que tu penses de ça. Et je trouve qu'en fait, ça, c'est l'illustration parfaite du fameux reflet miroir dont je te ouais. parlais. c'est quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, il va voir ce commentaire, il va rigoler, tu vois. Et quelqu'un où ce commentaire, c'est quelque part, ça fait écho à une petite voix qu'il a en tête, ça va l'atteindre en plein cœur. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait Alors, que vois, On ne on peut, euh, on, on peut pas être dans le déni de ses émotions et de ce qu'on ressent. Tu vois non, mais déjà prendre conscience de ce qui se passe, pas juste ce message m'a marqué, ce message m'a vexé, mais pourquoi est-ce qu'il m'a vexé Donc, derrière, okay. on repartait sur identifier les origines entre l'éducation, le manque de confiance en soi. La comparaison et l'écoute des avis des autres. Et ensuite, du coup, la deuxième étape pour moi, c'est de prendre conscience des connaissances qu'on a sur notre vie. Pour changer un biais qu'on a en tête, pour changer euh, un syndrome de l'imposteur, ou en tout cas le diminuer, parce que je ne pense pas qu'on s'en débarrasse complètement dans une vie, il faut prendre conscience, des connaissances, prendre conscience des conséquences que ça peut avoir sur notre vie pour, bien, pour se dire, en fait, non, ça ne va pas du tout. Aujourd'hui, et ça, je pose la question à toi, Pauline, aux gens qui sont dans le chat, qu'est-ce que ça t'empêche de faire dans ta vie, d'avoir ce syndrome de l'imposteur oui, carrément. Oui, oui, non, mais c'est clair. J'avais vu un truc, alors, hyper intéressant sur euh, la peur. Alors, il me semble que c'était une vidéo, il faudrait que je vous la retrouve, de Kevin Finel, qui fait euh, beaucoup d'hypnose et de trucs comme ça. C'est le fondateur de l'école d'hypnose Larche et tout. Et il parlait de la peur, et ils ont fait toute une série sur la peur, et il disait, en fait, le but, ce n'est pas de se débarrasser de sa peur, c'est d'aller négocier avec elle, parce qu'en en fait, ta peur, elle est là pour te protéger. En fait, euh, elle est là parce que c'est ta copine, elle te dit non, mais n'y va pas, on va te faire du mal, machin. Et il faut juste aller négocier et lui dire non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Euh, tu vois ce que je veux dire Et ça, c'était hyper intéressant. Je vous invite vraiment à aller fouiller un peu. Ils ont une chaîne YouTube, c'était vraiment cool. Effectivement, tout notre être humain est programmé pour ne pas qu'on sorte de nos zones de confort, parce qu'on est encore en train... On a, on a vécu de très belles évolutions technologiques ces 10, 100 dernières années, mais pendant plusieurs milliers d'années, voire même millions d'années, on était dans des grottes où sortir dans l'inconnu, c'est-à-dire explorer la, val la vallée inconnue, c'était synonyme de Je se faire déchiqueter par en dents de sable. <laughs> Donc, c'est très très bien de rester dans la caverne avec tout le monde. Et pareil, le fait d'être rejeté d'un groupe et de se retrouver tout seul et de ne pas penser pareil que le groupe, et que le groupe nous rejette, c'était synonyme de mort imminente. D'où aujourd'hui ouais. les réactions complètement des, des disproportionnées qu'on peut avoir quand on se fait rejeter d'un groupe et qu'on a l'impression qu'on va mourir. Oui, carrément. Oui, notre cerveau, il n'a a pas eu le temps d'évoluer avec euh, tout ce qu'on vit en ce moment. Quoi. Je regarde un petit peu. Alors, ah, il euh, y a une euh, remarque. Les voyages de Marie Bambel. Elle dit, je me sens un syndrome de l'imposteur parce que je suis autodidacte. Ça, je l'entends beaucoup. Genre, oui, mais toi, tu as eu un diplôme. Alors que moi, bah, j'ai tout appris tout seul. Qu'est-ce qu'on mmh. fait bah, Pareil, on reprend. Pourquoi est-ce que tu penses ça Parce qu'il y a fort à parier. Marie, je ne te connais pas, mais il y a fort à parier parce qu'on a été éduqués comme ça dans la société, surtout en France. Surtout en France. Il faut être diplômé dans notre secteur. Sinon, tu sais pas ce que tu racontes. Tu es un charlatan, tu es un imposteur, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on a tellement, tellement d'exemples qui nous prouvent que c'est pas vrai. On peut. Aujourd'hui, aller se former auprès de personnes ultra-diplômées, mais qui seront tellement déconnectées de la réalité du terrain ou des de, <laughs> de nous ça. que ça va être, euh, être n'importe quoi, ça va être vaporeux le truc. Et au contraire, des gens qui se sont auto-formés, mais qui vont avoir une façon d'expliquer, de nous enseigner, qui nous, va nous faire faire des bons de Et justement, le fait d'être autodidacte, pour moi, c'est vraiment une grande force, parce qu'on n'est pas... Euh, on n'a pas le carcan. D'une école, on n'a pas le carcan d'un diplôme, on n'est pas obligé à faire comme ci, faire comme ça, faire comme ça, et on est libre de créer. Et là, y a, on revient à la créativité, les process qui fonctionnent bien pour nous, les œuvres qui fonctionnent bien pour nous, les solutions qui fonctionnent bien comme nous. C'est comme ça qu'on invente et qu'on fait brûler une société. Hein. Ouais, non, mais carrément. Euh, alors, attends, je regarde un petit peu, je rattrape un petit peu les, les commentaires. Là. Je vous ai un petit peu mis de côté, mais je ne ça vous va. oublie pas. Ap après, moi, j'ai plein de solutions à vous donner contre aussi des trucs concrets, tu vois. Ah, bah, carrément. C'est que... ça aussi, c'est pas juste de parler. Je trouve c'est cool de comprendre ce qui se passe et après euh, de mettre des solutions. Et c'est qui... ça qui est cool dans le coaching. Euh, Philippe dit être créatif, c'est exprimer tout ce que tu as sur la conscience. Ouais, c'est marrant. Euh, Elena dit le syndrome de l'imposteur est très intense, je pense, pour les âmes créatives, car c'est une partie rendue légitime dans nos éducations scolaires, etc. Vrai. Sauf que ce syndrome cache des trésors rendus illégitimes. Ouais, la création s'est rendue illégitime par le système scolaire. Euh, dit oui, totalement d'accord. Yves euh, dit, c'est vrai que l'éducation post-68, elle, elle est un peu dans ce sens, surtout ici, où tout doit être carré. Euh... Et de toute façon, on a, on a tous, sauf pour ceux qui ont eu d'autres euh, éducations alternatives, mais on a tous été à l'école, où on apprenait qu'un exercice de maths... Genre 1 plus 1 égale 2, qu'il faut respecter la consigne, qu'on va nous mettre une note sur 20. Enfin, on a été éduqués là-dedans. Et la créativité, qui par définition, c'est de ne pas faire ce qu'on te dit et de penser autrement pour trouver tes solutions. Ouais, c'est le genre de truc qu'on nous bride. Sauf en cours d'art plastique, on te faisait dessiner à l'intérieur des traits, quoi, tu vois. Oui, carrément. Mais ça, en plus, vraiment, on te met des coups de marteau pour que ça rentre. Ce c'est voilà. pas... pas un truc mignon. C'est hyper brutal. pour... Bah, je ne sais pas, moi, je l'ai vécu un peu brutalement. Mais après, euh... voilà, c'est ça. après du coup il... C'est des trucs, ça prend du temps de se défaire de toutes ces choses en fait. Et surtout qu'il faut comprendre que, en tout cas à mon sens, aujourd'hui la créativité c'est ce qu'on appelle un soft skill, donc une compétence douce, pas une compétence, c'est pas un hard skill comme peut l'être, je sais pas, être data scientist ou du marketing digital ou des choses comme ça. Mais c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à développer à l'école et qu'aujourd'hui c'est un gros moquement, Mais comme pour Là, là c'est mon plaidoyer, mais comme pour moi, le développement personnel est un gros manquement dans notre système scolaire. La nutrition l'est aussi, on nous apprend pas à bien nous nourrir, à bien nourrir notre corps. Enfin, ouais, je pense qu'on devrait nous apprendre. La mindfulness. Que... C'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on, on développe des compétences qui sont importantes de stratégie, de logique, de respect des règles, de, de vivre en communauté. Mais il y a plein de choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui pour moi sont nécessaires, comme la créativité. Ouais, carrément. Heureusement qu'on vit à l'époque merveilleuse d'Internet où on est là pour parler de. où ça. on peut tous s'auto-former. Donc tu vois, Marie, c'est bien de t'auto-former, c'est bien d'être autodidacte parce que tu ne rentres pas dans un carcan qui considère que, on va dire, le côté gauche de, de tout un panel de possibilités et qui occulte complètement le reste. Oui, carrément. Euh, alors je regarde la suite. Oui, Elena dit. Euh... Euh... Alors attends. J'ai raté le début, je crois. Euh, le syndrome de l'imposteur, ça peut cacher des trésors, par exemple, ça peut pousser à l'excellence, apprivoiser sa vulnérabilité et en faire un atout, se connaître et dépasser ses peurs. Euh... Delphine dit le négatif, ça nous blesse au plus profond de nous. Je pense que c'était sur le, le message... Euh... Je vais pas vous cacher, même moi aussi, hein. des fois je reçois plein de commentaires positifs et il y a un troll, un troll en plus, tu vois même pas que quelqu'un qui a quelque bah, ouais, chose de logique à dire, mais genre un vrai troll. Enfin, Qu'est-ce que j'ai reçu l'autre jour Un mec, enfin en plus, le profil c'était... Genre, enfin, euh, le mec, il disait que c'est un troll dans son profil en plus, tu vois. Okay. Le, le mec a laissé un commentaire sur une de mes stories en disant euh, Vas-y, t'as repris du poids, t'es grosse, t'es moche, je vais reprendre le sport. Mais putain C'est marqué je... le, ça noir sur blanc. Ok. Ah, mon petit cœur, quoi Bah ouais, tu m'étonnes. C'est totalement gratuit, enfin, tu vois, c'est fou. Mais en non, fait. mais en plus, tu le sais, la personne qui envoie ça, que tu vois qu'elle a un profil complètement fake avec zéro abonné, zéro abonnement, tu sais qu'elle est juste là pour te faire du mal. Donc. Mais il y a quand même quelque chose de viscéral au fond de toi qui, qui l'accepte pas et qui le prend quand même personnellement. Mais bah, parce que quelque normal, part, c'est le fait. reflet d'un jugement que je peux porter sur moi-même ou pas tu vois. Ouais, mais même après, tu vois, je comprends, tu vois. Tu ne peux pas être complètement étanche et hermétique parce qu'en en fait, si tu laisses sortir et que tu reçois euh, amour et tout, en fait, c'est les portes ouvertes. Donc, soit tu te bloques de tout, <laughs> soit euh, bah, tu laisses ouvert et il y a aussi des trucs. Euh... Carrément. Un peu chiant qui rentre, quoi. Ça, c'est pour ça aussi. Euh... Ah, les voyages de Marie Bambelle qui dit, petit cœur. Merci pour ces encouragements, Aline. Trop cool. Euh... Alexandre qui nous dit le podcast de Jérémy Clayes sur la peur est excellent aussi, carrément. Ah, génial, on va l'écouter. Ah, il y a Yves qui parle d'un truc intéressant. Il y a une peur qui peut paralyser pas mal de gens, c'est leur accent régional. Je suis bien placée pour le dire. Je suis curieuse, est-ce que tu peux développer un petit peu, euh, Yves euh... Oui, a... on va vous partager le podcast de Sens Créatif. Euh... Fifi la mort qui dit, on parle un peu dans tous les sens parfois quand on est en, aut en autodidacte. Mais bah c'est ça, c'est la... la question du cadre encore hein, qui revient. Après, c'est vrai que euh... bon, là on parle dans la branche plus euh... plus euh, psy, mais il y a beaucoup de créatifs et beaucoup d'artistes. Qui sont euh, ce qu'on appelle euh, à, hypersensibles au potentiel, mais qui ont des, un, un système de pensée en arborescence. Je ne sais pas si tu as ouais. déjà entendu parler de ça. J'ai découvert ça genre, il y a trois mois. J'étais ouais, trop bien, ça y est, je comprends. <laughs> voilà, en gros, <laughs> c'est-à-dire que le, le cerveau est branché et câblé différemment. Ce n'est pas moins bien, ce n'est pas mieux. pas. Vous êtes plus intelligent, vous êtes moins intelligent. C'est juste que la manière de réfléchir est différente. Et qu'en fait, devant un projet, une solution, une, une opportunité, on va se sentir obligé d'explorer vraiment chaque piste ce n'est pas genre juste les évoquer, c'est les explorer à fond et du coup on perd un temps fou à s'éparpiller de partout. Et ça c'est un mode de pensée en fait, euh, et a, ouais, ouais, encore une fois, il y a beaucoup beaucoup de créatifs qui l'ont, c'est vraiment un mode de pensée qu'il faut comprendre, se dire que bah, c'est normal, c'est juste mon cerveau qui fonctionne comme ça. il y a plein plein de ressources en ligne qui apprennent vraiment à, à cadrer ça, à fonctionner avec en mettant cette, cette arborescence à notre profit et pas... Euh, on va dire à l'encontre de notre manière de faire. Enfin, voilà. Ça, ça il y Oui, vraiment Ça, tout de suite, j'ai reconnu. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, je ne sais pas ceux qui ont fait un BTS comme visuel, il y avait les démarches créa. En gros, c'est une épreuve de 8 heures où tu es tout seul devant des feuilles à trois à devoir monter un projet. Et à chaque fois, moi, je partais, mais je partais sur huit pages de brouillon, tu vois, qui étaient remplies de gribouillis. Et je me rappelle qu'une fois, le prof était venu me voir genre, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais et tu vois, j'étais là, mais c'est comme ça, en fait. Tu, moi, tu me dis un mot, il y en a dix qui sortent à chaque fois. Et dix, 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 dix. Et euh, je ne vois même pas ce que ça pouvait lui faire, parce qu'au final, j'avais toujours les meilleures notes et tout. Donc vraiment, a... c'est aussi pour vous dire que même dans une école de créa, ils ne comprennent pas les créas, quoi. Et encore une fois, on est dans que... une société, on nous a appris qu'il y avait un, et après, il y avait deux, et après, il y avait trois, et après, il y avait quatre. Alors que le système de pensée en arborescence, c'est à un. <laughs> Ça fait 12, 37. Un oh, donne un 2, voilà, Puis chaque <laughs> deux donne un trois. Puis chaque trois donne un quatre. Et du coup, c'est pas l'un après l'autre. Tu vois, c'est tout en même temps. Ouais, carrément. Regardez, c'est hyper intéressant. Ouais. Euh, Philippe dit, c'est comme Einstein quand il a découvert la théorie de la relativité, elle était hors académique, voire révolutionnaire. Euh... Et puis même quand on a commencé à dire que la Terre était ronde et pas plate, il hein, y a des gens qui se sont fait tuer pour ça. Il hein. <laughs> bon. euh, y a Florence qui a une question. Euh, elle dit, c'est quoi un troll? Alors un troll, c'est une personne euh, très moche euh, dans sa tête. On ne sait pas physiquement. Sur Internet, c'est pour ça qu'on appelle ça un troll, qui en fait sa passion dans la vie, c'est de se créer des faux profils et de venir laisser des commentaires euh, méchants, et violents, ouais. mesquins, haineux, racistes, euh, discriminatoires. Enfin, ça peut être plein de choses, mais des trucs qui servent à rien, qui sont négatifs, juste dans le but de faire du mal, quoi. En fait. De provoquer. Et en plus, euh, ouais. faut, faut même pas leur répondre, en fait, c'est ça. Mais il y, y a des gens, c'est leur passion dans la vie. Il faut savoir. Ah euh, ouais, carrément. Anaïs dit le système scolaire inhibe complètement le côté créatif. On nous apprend des choses, des matières que nous apprenons par obligation et pas par plaisir. me dit tout à fait juste, il a fallu que je passe en mode autodidacte pour libérer ma façon de faire et mes compétences et puis surtout se permettre d'être plus dans l'empirique, de ne plus être dans l'empirique mm -hmm. je pense. C'est ça que ouais, être autodidacte c'est bien, c'est une force. Moi je le suis aussi. Pauline, je crois que tu l'es tu l'es aussi en partie. <laughs> Bah, je pense que de toute façon, à partir du moment où tu as ton diplôme et que tu fais plus ce pourquoi on t'a formé, c'est que tu es autodidacte, tu vois. C'est clair. Je pense que là euh, parler devant une caméra, c'est on peut dire que c'est autodidacte, la photo enfin tu vois euh... il y a un moment si tu es encore euh, sur ton diplôme que tu as eu il y a 10 ans, 20 ans, 15 ans, c'est aussi tu as arrêté d'avancer. Enfin tu vois, je sais pas, je pense que maintenant euh, comment tu peux ne pas être autodidacte en fait. Euh, je pense qu'il y a plein de gens qui ne le sont pas. Hein. Non, mais tu vois, quand tu es entrepreneur oui. à ton compte et machin, oui. et que si tu te bases des trucs que tu as appris il y a 10 ans, ça va être, tu vois. Euh... Alors, oui, Automan, j'espère que je... je pense que je le dis mal, je suis désolée. Le revers de l'autodidacte, c'est que quelquefois techniquement, il manque certaines bases qu'il faut combler un peu par un peu de formation fondamentale, mais c'est gérable. Oui, de toute façon, c'est l'équilibre. Et, euh, et Yves nous, nous, parle, nous parle de l'accent, je, je trouve ça fou. Je trouve ça marrant que ça soit un, que ça soit un problème. Euh, voilà, je crois que j'ai récupéré tous les commentaires. N'hésitez pas si vous avez d'autres remarques. Euh, ça passe super vite. On, ouais, on se met en mode forme. solution du coup bah ouais, On va bien la bouse. Oui, c'est <laughs> ça Allez, vas-y, qu'est-ce qu'on fait Alors, du coup, euh, quand on est dans le syndrome de l'imposteur, dans ce manque d'illégitimité et tout, il y a plein de choses à faire. Je vais vous en donner quelques-unes qui, pour moi, sont les plus faciles, pas simples. Faciles à mettre en place ou simple, pas facile. Enfin, bref, vous avez compris. Ouais. Simples, la première chose, c'est déjà de rationaliser un petit peu les, euh, la situation. Parce que surtout quand on est créatif, quand on commence à alimenter une pensée négative du style je suis pas assez bien, j'ai pas assez de diplômes, euh, je suis un imposteur, je me suis trop bien vendu VS mes vraies capacités, mon pourrait potentiel et tout, ben, on peut très vite partir très loin dans ce genre de délire. Donc tout de suite, prendre du recul, rationaliser son cerveau. Un petit exercice tout bête mais que moi j'aime beaucoup conseiller, c'est de lister toutes nos réussites, tous les projets qu'on a déjà réussi à mettre à mener à terme, tout ce qu'on a déjà réalisé, enfin tout quoi. Même les plus petites. Et d'avoir cette liste, mais vraiment de l'écrire, pas juste de la faire dans sa tête. Vraiment de l'écrire. C'est chiant, c'est rébarbatif parce que tout le monde le dit, mais ça marche extrêmement bien. Voilà. Okay. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, je pense que c'est important aussi de se reconnecter à ses valeurs, sa vision, son pourquoi. Ça c'est quelque chose qui marche beaucoup pour moi quand je sens que je suis rattrapée par le syndrome de l'imposteur. Euh, et tu vois, typiquement, avant qu'on fasse le premier live la semaine dernière ensemble, moi, j'étais ravie de l'opportunité, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'elle attend de moi Est-ce que je vais être assez bien Est-ce que les gens qui vont nous écouter, est-ce qu'ils vont être assez contents, satisfaits Est-ce qu'ils vont repartir avec assez de clés Et puis, et qui suis-je pour faire ça Est-ce que je ne devrais pas plutôt la rediriger vers quelqu'un d'autre qui a plus l'habitude Et puis, je, je suis plus freelance, est-ce que c'est quand même pertinent Enfin, tu vois, tout ça, quoi. Oui, carrément. Et du coup, ça, c'est pour dire que, bah, tu es venue quand même. En fait, les ben questions, oui. elles sont là. Donc que vous refusiez de venir, que vous ignorez nos petits messages de l'amour pour venir nous parler. Ou que vous... il y a deux solutions, en fait. C'est soit on y va, soit on n'y va pas. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et c'est dans tous les cas, en fait, tu te les dit, ces trucs-là. Donc, bah, y aller. Et ce qui aide, <laughs> du coup, dans ces cas-là, c'est de se rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait et ouais. de, du coup, de revenir à la base. Tu vois, moi, je sais que je suis coach business parce que, déjà, j'ai envie d'aider les créatifs à vue de leur activité, parce que je suis convaincue qu'ils ont quelque chose qui va pouvoir venir venir nourrir nourrir, enrichir la société. Je suis convaincue aussi que les gens... qui fin, Parce qu'aujourd'hui, c'est le modèle que je vois. Les gens sont salariés. Ils ont besoin d'avoir un burn-out, deux burn-outs pour se rendre compte qu'il y avait une autre voie possible dont personne ne leur avait <laughs> jamais parlé qui s'appelle l'entrepreneuriat. Et ça, mais ça, ça me flanque le cœur et je ne peux pas être d'accord avec euh, ça. Un euh, coup, coup je de marteau euh, dans, dans la tête pour te faire rentrer et dans tu un vois truc qui n'est pas pour toi hein, encore. Hein. Mais c'est ça. Et quand tu, je compare ça, donc j'appelle ma mission, à les petites voix que j'ai en tête de peut-être de machin de truc je fais non mais Aline c'est bon quoi tu vois enfin, arrête de te soucier de problèmes qui n'existent pas encore ouais. voire même pas du tout pour aller te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi oui carrément alors ça pour rebondir je trouve que c'est euh, vraiment un bon conseil pour vous donner une, une petite genre histoire... Aline tu donnes des conseils bon ce ça... serait été pas mal tu vois non <laughs> non mais parce que celui-là je l'ai expérimenté tu sais quand je faisais des photos ouais. j'étais terrorisée avant chacun de mes shootings Vraiment, je, je me rendais malade et tout. Et même avant, bah, parfois, en fait, avant les lives aussi, il y a des fois où je me sens stressée. Enfin, c'est pas naturel, en fait. Et ce que je sais que je me recentre et je me dis, mais c'est pas à propos de moi, en fait. Exact. C'est à propos de ce que je donne à la personne, de comment je la photographie, de mon service, de la manière dont elle se voit. Et en fait, à partir du moment où vous sortez ça de vous, bah, c'est bon, en fait. C'est plus à propos de votre manque de confiance en vous. C'était plutôt, bah, je peux être timide, je peux être machin, mais en fait, bah, je m'en fiche, en fait, de comment les gens me voient, si je bégaye et tout. Ce qui est important, c'est ce que je ra raconte, ce que je leur apporte, si ça leur donne la pêche. Et ça, vraiment, ça marche super bien, quoi. Pour le sortir et se dire, waouh, je sais pas. Je trouve ça très fort, ce que tu, ce que tu dis. Je suis d'accord. Ça fait un peu mal à l'ego Quand tu dis, ouais. non, mais arrête, en fait, c'est pas à propos de toi. Hein. Cette histoire, c'est pas à toi. Déconnecte ton ego Mais ça aide à relativiser aussi. Oui, carrément. <coughs> Euh... oui, si vous avez des types aussi, partagez-les. Hein. Attendant, je passe au type suivant qui est carrément beaucoup plus concret, qui est le arrêter de se trop se comparer aussi quand c'est une source de syndrome de l'imposteur chez vous. Et là, des trucs tout bêtes. Hein. Mais moi, je sais que sur Instagram, les gens qui me faisaient culpabiliser et déclencher un syndrome d'imposteur chez moi, j'ai muté les stories. Euh, je dis pas que j'ai arrêté de okay. les suivre parce que certains, c'est des amis à moi, tu vois. Mais par contre, j'ai mis leurs stories en muet, j'ai mis leurs posts en muet, je ne vois plus rien, je ne regarde plus ce qu'ils font. Parce que ça ne génère pas d'émotions positives chez moi, tu vois. Ok, c'est un peu le Marie Condo des réseaux sociaux, quoi. De exact. Spargueil, <laughs> non, ça dégage. Donc ça, c'est clair, c'est trop bien. Et puis, il ne faut pas hésiter des fois à faire un petit peu l'autruche si on sent que le fait de trop regarder ce qui se fait autour, ça va plus détruire et nuire à notre créativité et à notre développement que euh, l'enrichir. Donc, pas euh, avoir de soucis avec ça. Je trouve qu'à l'époque des réseaux sociaux, c'est hyper... Euh important Et en même temps, euh, pas simple. Oui, c'est très 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 dur, je suis d'accord avec toi. Euh, alors, dans les tips concrètes, euh, moi par exemple, ça fait 6 ou 7 ans, je n'ai pas de newsfeed sur Facebook. J'ai un, une extension de mon navigateur qui bloque le newsfeed. Donc, en fait, euh, pas, euh... <laughs> je suis désolée, je ne vois pas la vie des gens. Et ça, ça marche super bien. Comme ça, tu te, tu te bloques en fait de tout ce que tu vois et qui te. Qui te draine en fait et qui te fait descendre ton énergie au lieu de la monter. Ça... Ouais. une citation que j'aime beaucoup dans ce sens, que je répète tout le temps à mes coachés c'est Il faut pas comparer le chapitre 1 de quelqu'un au chapitre 46 de quelqu'un d'autre. c'est ah, ça aussi. Cool. Euh... Ouais, carrément. Ah là là. Souvent, souvent, on se compare à des gens et on a des syndromes de l'imposteur VS des gens qui font ça depuis mille fois plus de temps que nous. Tu vois Ouais. Donc la comparaison en fait n'a pas lieu d'être. Ils ont pas la même histoire et puis en plus c'est les réseaux sociaux donc il y a aussi euh, bah, ce biais de tu vois pas tout ce qui leur arrive et ça se trouve ils en chient euh, autant ou dix fois plus tu ou, euh, ouais, et en fait ça comme on, on a tendance à voir que le, les trucs du vainqueur euh, on se rend pas compte non plus on voit ouais, que le sûr. résultat positif mais on voit pas tout le chemin pour y arriver quoi plus le biais des réseaux sociaux qui consiste quand même relativement à mettre en avant ce qui va bien quoi même si aujourd'hui euh, on constate tout le retour de l'authenticité et des partages vraiment euh, en toute transparence mais de manière globale il y a quand même c'est quand même encore très parfait tu vois ouais, ah ouais carrément il y a le fait de passer à l'action c'est Marie Forléo qui dit toujours l'action est le meilleur remède contre la peur donc bah, quand on a peur de quelque chose passer à l'action et advienne que pourra ça peut aider ah. Si ouais, juste un vraiment. client, un client te demande un devis et que là tout de suite tu commences à dire Oh, mais là, je suis pas assez bien pour cette mission, puis c'est un trop gros client, il est en train de se tromper de cible de, de prestataire, je me suis trop bien vendu et tout." Réponds oui, réponds oui, envoie le mail sans te poser de questions, puis une fois que tu as répondu oui, tu ne peux plus rien faire, tu vois. <laughs> OK, faut y aller et puis euh, après même si tu es malade après, que tu vas beau bien trois fois, c'est pas grave, mais au moins tu le fais. Voilà, okay. puis de toute façon, une fois que tu as fait oui, tu vas plus pouvoir dire non après quoi. Ouais, carrément. Ouais, OK. Ah, tiens. Et euh, le dernier, euh, la dernière petite action, là qui est plus sur la durée, mais c'est quelque chose qu'on peut tous mettre en pratique dès aujourd'hui, c'est de prendre l'habitude de se féliciter pour chaque petit succès, chaque victoire. En fait, ça va entraîner notre cerveau à, euh, à faire du renforcement positif, en fait, tout simplement sur notre légitimité, sur notre confiance en nous. Et c'est tout, tout bête, tu vois, mais c'est le principe des trois gratitudes par jour. On peut faire bah, trois choses que je suis fier d'avoir fait aujourd'hui. J'ai réussi à dire non à un client. J'ai réussi à dire stop à un client qui me demandait un quatorzième aller-retour alors que c'était marqué que trois dans notre devis. Tu vois ouais. Et le fait de se le redire à soi-même, eh ben, on renforce ces comportements positifs et donc du coup, forcément, à long terme, ça nous aide à nous développer. Alors, avocat du diable là. Vas-y, c'est parti. <laughs> euh, la gratitude, c'est à la fois. Euh... Euh... Est-ce qu'il n'y a pas un peu de déni là-dedans Alors du coup, c'est pas ce que je viens de dire, c'est pas de la gratitude. Hein. Okay. Euh... Voir les trucs positifs. Euh... on peut remplacer nos trois gratitudes du jour par trois félicitations du jour, tu vois. Ouais, carrément. Ouais ouais mais du coup est-ce que ouais dans, dans ces trucs très positifs de Oh, machin est-ce es, est que ça apporte assez l'équilibre Tu te dis ça c'est vraiment qu'on t'embêtait, mais tu vois je... est -ce que c'est pas trop bonbon bon, bah, bah, bah pas, pas Ouais que... tu, tu vois la négativité le fait d'être en colère et machin bah c'est cool aussi c'est nécessaire euh... et euh, personne a dit qu'on avait pas le droit d'être en colère ou négative et ouais, tout on est des êtres humains, on n'est pas parfaits, euh, tu vois, on parlait la semaine dernière de la dictature du quinoa, du miracle morning, des ah. choses comme ça. Oui, c'est ça. C'est pas le but. C'est un peu le biais du développement personnel, tu vois, c'est de faire des, des robots parfaits, magnifiques à la police et, et positifs tout le temps. Et c'est vrai que ça, c'est la limite que je vois à, à ces trucs-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour juste prendre ce qui nous, ce qui nous convient et... Mais juste se dire, c'est cette fameuse phrase qu'on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mais on est responsable de ce qu'on en fait, tu vois. Ok. Donc, est-ce que les émotions que tu. On peut apprendre à gérer ces émotions, mais les émotions négatives que tu peux ressentir, ok, tu les ressens et c'est ok, c'est normal, on est des êtres humains. Mais qu'est-ce que tu veux en faire, tu vois On en fait de l'art, cool Est-ce <laughs> que tu en fais de l'art Est-ce que tu décides d'en faire quelque chose de positif Est-ce que tu veux renforcer ouais. le négativisme dans ton cerveau Est-ce que tu deviens côté... un troll et tu vas insulter tout le monde euh... Qu'est-ce qui va te rendre heureux en fait parce qu'au final, pareil, c'est de la philosophie, mais le but de nous tous, c'est d'être heureux. Ouais. Est de, de, de est, on a la poursuite du plaisir et compagnie. Donc, qu'est-ce qui va te le rendre le plus heureux là-dedans, quoi Oui, carrément. Oui, carrément. On a plein de trucs à faire. Euh... Des petites choses. Alors, je regarde si on a des petites questions et les derniers, ça passe tellement vite. Euh... Delphine dit j'aime beaucoup cette réflexion sur la différence des chapitres carrément. Euh, il dit sur les réseaux sociaux tu donnes ce que tu veux de toi dans la limite de, de ce que Instagram veut bien que tu donnes de toi parce que tu vois il y, y, y a aussi des règles qui sont liées à leur entreprise et je trouve que tout est c'est quand même limité. Euh, Ousmane qui dit pour moi chaque projet est un challenge. Oui carrément. Et euh, alors, il y a une question, les studios Shoot Pro qui dit, comment savoir qu'on a un bon niveau si on ne compare pas nos travaux à ceux des autres Alors, il faut se comparer quand ça ne génère pas des émotions négatives chez nous. Moi, je suis pour la comparaison complètement, de le fait, bah, effectivement, de savoir se challenger, savoir se situer où on est. Euh, Est-ce qu'on a envie de devenir meilleur Est-ce qu'on a envie de, de s'améliorer puis même quand on est entrepreneur, si on ne fait pas un minimum de veille, c'est un coup à devenir très vite obsolète ou à rater un virage, un pivot du marché. Enfin, voilà, ça, c'est des réflexions normales. Après, voilà, tout le délire, c'est entre se comparer et faire un peu de veille et regarder sans cesse les stories des concurrents en se tapant dessus à quel point ce, ce qu'on fait, c'est nul, tu vois. Ouais carrément. J'avais vu un talk de Chris Do qui disait un truc sur… Euh, il parlait de… Euh, quand il était en école, c'était hyper cool parce qu'il y avait… Euh, tu sais, il y a les rendus, et du coup, tous les profs, ils critiquent les projets de tout le monde. Et il disait, l'erreur des gens, c'était qu'une fois que c'était passé leur tour, ils relâchaient, ils n'écoutaient plus. Il disait, en fait, il écoute les critiques des autres comme si c'était pour lui, tu vois, mmh. pour en tirer tous les bénéfices. Un peu maso, hein. <laughs> et par contre, il écoute les siennes comme si ce n'était pas lui pour être plus détaché, comme ce que tu disais, tu vois. j'étais intéressant, ouais. Ah ouais, c'est cool, il a raison. <laughs> tu vois, donc du coup, il prend tous les bénéfices euh, du truc pour grandir. Et je pense que, voilà, il y a un truc qui est vraiment constructif à essayer de déconstruire ce que les autres ont fait, de comprendre pourquoi on aime bien, de comprendre pourquoi on n'aime pas, plutôt que juste se comparer. C'est vraiment différent. C'est pas du tout la même approche, c'est pas la même démarche. Moi, si je vais regarder un photographe, je ne vais pas me dire euh, je suis nul, il y a plus d'argent que moi, il a plus de clients, euh, et moi je suis une merde Je vais plutôt dire, genre, putain, qu'est-ce qu'il fait bien On dégortique. C'est quoi sa lumière Comment il a fait Et avoir une excitation pour ça, pour dire Waouh, ouais, ça défonce Vas-y, je veux y arriver. Et là, on n'est pas du tout dans un truc euh, négatif. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. C'est toi qui écoutes, mais je parle un peu trop. <laughs> mais tu parles pour des trucs intéressants, donc moi ça me va. Non mais en vrai c'est cool la conversation, tu vois, ça permet de rebondir. Donc euh, donc donc voilà, ça peut être la réponse à Studio Shoot Pro. Il y a comparaison et comparaison vraiment constructive, déconstruire les, le travail quoi. Euh, et Marc dit, euh, tu auras toujours quelqu'un de meilleur que toi. C'est vrai aussi. Oui. Non, je veux être la meilleure. Ah euh, J'avais aussi envie de partager une réflexion que, que pareil, je présente souvent aux gens qui me parlent du syndrome de l'imposteur. C'est en quoi, et là, j'ai posé la question avant de te demander ma réponse, mais Pauline, en quoi est-ce que le syndrome de l'imposteur te rend service dans ta vie euh... Je pense que... Moi, je pense que quelque part, il m'apporte euh, de l'humilité et aussi euh, une, une, beaucoup d'empathie vis-à-vis euh, -vis des autres, tu vois. Euh, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Parce que, alors, il y a aussi ce truc, je pense que dans les clichés des entrepreneurs, c'est aussi, euh, tu vois, les mecs comme ça, ils vont écraser tout le monde, ils n'ont aucune empathie, ils ont euh, ça, tu vois, et je pense que. La grosse tête, euh, le machin, euh, traiter tout le monde euh, pas bien. Tu vois, ça, ça peut être un cliché aussi. Euh. Donc, j'en sais rien. C'était... pas dire la réponse que j'attendais, parce que je pas oh ouais. forcément de réponse, mais c'était un peu mon, mon point de dire, comme la peur, elle peut être une amie, et ben pour moi, le syndrome de l'imposteur peut être un vrai garde-fou quand il est maîtrisé, quand on ne se laisse pas euh, limiter par ça. Mais de se dire, le fait de me sentir illégitime, sans cesse ça va m'obliger à me remettre en question à essayer de m'améliorer de faire les choses mieux de ne pas me prendre la grosse tête de ne pas commencer à partir dans des délires pas mégalomaniaques c'est ça comme ça donc voilà donc je pense que c'est bien de l'apprivoiser de se dire il me rend service il est là pour me rendre service à condition que je ne lui donne pas trop de place dans mon esprit dans mon business ouais c'est ça peut-être qu'il va t'ancrer au sol mais il ne faut pas qu'il te visse et qu'il te cloue au sol et que tu ne puisses rien faire d'autre quoi tout à fait. Ah, c'est intéressant, carrément. Hum. Alors, je regarde un petit peu. Euh, on va se faire couper bientôt. <laughs> J'ai juste une dernière question de Fessal qui dit c'est bien beau tout ça, mais c'est quasiment impossible pour un créatif de faire un business plan tout seul sur Internet. Est-ce que c'est pas euh, un moyen d'enchaîner sur euh, le programme de la semaine prochaine Je ne sais même je sais pas si c'est ça, mais ça... Euh, alors. Le fait, c'est quasiment impossible pour un créatif de faire un business plan tout seul sur Internet, je suis absolument pas d'accord. Je, je suis désolée pour toi, hein, mais pour moi, c'est ta croyance, c'est ce que tu imagines. Mais il y a tellement d'entrepreneurs, il y a tellement de créatifs qui ont fait des business plans tout seuls. Ouais. Et j'en fais partie, et je suis sûre que parmi nous, il y en a plein d'autres qui l'ont fait aussi. Donc, euh, si, si, c'est clairement possible. Carrément. Oui, veut... ouais, voilà. Donc, ça, c'est fait. <laughs> Désolée, autant des fois, j'essaie de trouver des consensus. Autant là, je ne peux pas te dire oui, tu as, as complètement raison, je suis d'accord. Ouais, ouais, non, mais carrément. Eh bien, écoute, euh, je pense qu'on peut passer sur euh, la petite conclusion. qu'on qu va De quoi on va parler la semaine prochaine Et puis Au voilà. <laughs> Maintenant qu'on a bien remué le mindset, moi, je propose que la ah, semaine prochaine, voilà. on parle euh, visibilité et trouver des clients. Donc, euh, comment développer Allez. sa visibilité en ligne Parce que euh, contexte actuel oblige. Pour trouver des clients quand on est créatif. Ah, c'est cool ça, du vrai concret. Ouais, il en faut un petit peu là, après deux discussions, mindset et tout. Maintenant, maintenant euh, qu'on a remué les cerveaux de tout le monde, on va passer aux stratégies. Bah écoute, trop cool. Euh, et ben, bah, merci à tout le monde. Merci encore d'avoir été hyper. Euh... Ah, bah tiens, Marie demande des ressources pour faire son business plan. Est-ce que tu en connais euh... Moi, je sais que, en fait, je sais pas, t'en penses quoi quelque chose euh, il faudrait que j'essaie je de te retrouver ça pour la semaine pro je sais que j'ai des personnes dans mon entourage qui proposent euh, qui sont ça en fait c'est leur spécialité d'aider euh, les gens à faire leur, leur business plan et elles proposent des ressources gratuites pour le faire donc il faut que je me repenche ah bah écoute trop cool et ben bah, écoute Marc il faut revenir la semaine prochaine avec toute la réponse on va te préparer ça euh, trop cool merci à tout le monde d'avoir participé c'est hyper agréable que ça soit une conversation et, euh, et j'espère que ça vous a aidé euh, encore une fois, on peut continuer la discussion sur le accountability de, de Discord si vous avez des questions, si vous avez besoin de bonnes vibes et tout. Et voilà. Est-ce que j'ai raté quelque chose vous, avez, euh, vous allez retrouver Franck demain, toute la semaine. Non, pas demain, demain on est samedi. Non, vous allez retrouver moi lundi avec Prisca. Ça va être cool. On va faire euh, de la calligraphie en direct et tout. Mardi à Franck. Voilà, le petit programme. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end. Merci à tous d'avoir été là. Merci à Hélène, c'était trop cool. Je vous fais plein de bisous et euh, on se retrouve lundi. Bye hey tout le monde. Salut.